La famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous avez vu le titre, c'est une vidéo un peu spéciale. C'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire et un truc qui m'a toujours intrigué. Comment se passe la vie dans une famille japonaise? Donc là, on va passer 24 heures complètes, c'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, avec une famille typique japonaise. Donc on va voir toutes les traditions, comment ça se passe, leur journée quoi. Comment leur journée se passe, comment ça se déroule. Est-ce qu'ils font des trucs en particulier que nous on fait pas forcément? Ça va nous permettre de comparer la manière de vivre à l'étranger. Et vraiment, on va découvrir totalement une autre culture et on va se plonger à l'intérieur. Et là, tu te demandes, regarde comment t'as fait pour trouver une famille japonaise alors que t'es pas japonais. Oui, mais j'ai les contacts. Non, je rigole. En vrai, j'ai DM une daronne qui fait des vidéos sur YouTube. Et je suis tombé sur un compte Instagram qui s'appelle Kimono Mom. Et j'ai regardé son compte et c'est une maman qui fait des vidéos de cuisine, plus précisément avec sa fille. Et voilà, après j'ai les DM, je dis hey, how are you? Je les DM tout simplement. T'as capté en mode ouais, ça dit quoi? C'est comment? Tranquille. Dis-moi, j'ai envie de passer une journée dans une famille japonaise. Est-ce que t'es disponible? Elle m'a dit yeah, of course. Donc voilà, c'est parti, on y va. Vous êtes en immersion avec moi. Let's go. En direct de Tokyo, en direct du Japon. Et voilà, aujourd'hui on va passer une journée avec une famille traditionnelle japonaise. Et je suis avec Motoki. Motoki, hi. Motoki, c'est le chef de famille, donc c'est le papa de la famille où on va passer cette journée aujourd'hui. Motoki, thank you for having me today. Thank you very much. Et voilà, là on va rentrer tranquillement pour prendre le petit déjeuner. Donc la famille, tous les matins, Motoki vient courir dans le parc comme ça. So Motoki, what you doing for living? For living? Yeah. So management. Management? My company. What type of company? What type of company? So YouTube, Kimono Mom, yeah. And Ishi Shop. Okay. Donc les gars, vous avez capté, Motoki il travaille, du coup il gère des compagnies. Donc il avait des restaurants, il était chef de plein de restaurants. In Tokyo? Yeah, in Tokyo. Oh, what type of restaurant? Italian. Italian? Yeah, Italian. Same like a French bar, Japanese restaurant, casual restaurant. Yeah. Okay. Wedding also. Okay. Donc quand même, il a de l'expérience, hein. How old are you? 49. 49. Yeah. But you look like 40 or 20, 39. Oh, really? Yeah. You look very young. Yeah. I will like talk about this beautiful place. Beautiful view. On a couru ce matin dans un parc et après regardez la vue là comme ça. Juste en face de nous, il y a le mont Fuji. Je sais pas si vous allez le voir d'ici, mais regardez. And now, what we gonna do? And then, on the breakfast. Yeah. Breakfast time. Breakfast time. Yes. Oh, okay. On va découvrir le petit déjeuner traditionnel japonais, comment ça se passe, etc. Là, on est rentré, on a fini de courir, on a fini le sport. On est rentré avant le petit déj. On va se laver, mais là, il y a un truc très particulier, les gars. Un truc vraiment où je m'attendais pas. Où vraiment, même moi qui suis venu au Japon plusieurs fois, j'étais pas au courant. Ici, quand tu prends une douche, automatiquement après, tu prends un bain. Et regardez, s'il vous plaît, les gars. Là, je suis dans la salle de bain, tout va bien. Et là, il est censé avoir la douche. Mais il y a aussi une baignoire. Donc, une baignoire avec un bain rempli. Frère, il y a la douche là. Et en fait, au Japon, quand tu prends une douche, tu prends automatiquement un bain après. Je savais pas pourquoi, je vais leur demander. Can I have some explication? Bon les gars, il y a aussi la maman. So the mom of the family, his name is Mae. Moe, sorry. Donc sa chaîne YouTube c'est Kimono Mom. Donc c'est une créatrice de contenu au Japon. Et elle est very very famous in Japan, around the world. So I have a question. Why like you take a shower and after bath? Just relax, take a bath. Is very good for your health. Okay, so every people do that. Maybe. Okay, like you shower and bath every day? Yes, of course. Tous les jours. tous les jours is like every day. Every day. Almost every day. Yeah. So you wash your hair every day? Of course. Like shampoo every day. Yeah. And it's not dangerous for your not dangerous. Mais les gars, en fait, là ils expliquent que ils prennent leur douche tous les jours, OK? Mais ils se lavent aussi les cheveux tous les jours. In France, I told you like yesterday, some like medical people say it's dangerous for hair, like lose hair. You know when you like lose hair. Yeah, lose hair, yeah. La calvitie. Yeah. It's not dangerous for this? Yeah, it's totally safe. Okay, it's safe. I can like use shampoo? Of course. Yeah. Okay. I will try and after I will. Okay. T'as les gars, ils sont trop gentils, ils sont trop sympas. Parce que, je sais pas, ils. Je les connais pas de base. Ils ont accepté de m'accueillir chez eux. Mais frérot, c'est une dinguerie, bref. La
je suis dans le bain. Et vraiment, frère, c'est la première fois de ma vie, je fais ça, je prends une douche et je prends un bain juste après. Mais ici, c'est ce qu'il faut. Je me mets à la traditionnelle japonaise, t'as capté? Donc voilà, je suis dans le bain, tranquille, pépère, et voilà. Bon, après, je vais pas abuser, je vais quand même faire vite. Mais voilà, c'est important, elle a dit de se relaxer, donc je vais me relaxer. Je me relax, relax. Ils sont vraiment dans le futur ici, hein. C'est un truc de ouf. C'est futuriste, frère, on dirait la vie d'après. Bon, les gars, ça y est, on vient de terminer la douche et le bain. It was very, very relaxing. And now, it's time for the breakfast. Oh, it's onigiri. So onigiri is just rice? Yeah, rice and ingredients. Today is... Taberu? Ayo, tabete yo. Oh. Kore wa... So it's your... daughter. Okay. Mm. Hi, Su-chan. Su-chan. She's a little bit shy, but it's okay. Naishiro. And she cook with you sometime, right? Yeah, every day. Oh, she became cat today. Salmon there? This is salmon. This is salmon. And this is tarako. Tarako? Fish roll. Fish roll. Mm. Okay, okay. Can you eat it? Yeah. And umeboshi and ojako. White bite. Small fish. Ok. And miso soup, ok. Bon les gars, petit déj traditionnel japonais. On a des onigiri. Donc les onigiri, c'est les espèces de boules de riz, vous voyez, avec l'intérieur des ingrédients. Oh, this is egg, right? It's like omelette? Yes. Ok. It's like omelette. Japanese omelette. Donc voilà, hein, on va commencer. Bon les gars, en fait, je suis arrivé hier soir ici. Ils m'ont proposé de venir dormir ici pour commencer la journée très tôt, comme c'était assez loin de mon hôtel. Et quand je suis arrivé hier soir, regardez ce que j'ai vu. Ils m'ont écrit Welcome. Riyad. Et ça c'est mon prénom. Ça c'est mon prénom en japonais, ça. Riyadu. And thank you for having me today. Oh, thank you for having me. Yeah. Parce que les gars, en fait, c'est... Je suis un inconnu, en fait. On se connaît pas. Yeah, thank you again. Thank you. Thank you very much. Thank you. We are so happy to meet you. Yeah, I'm very happy. Oh. She's 3 years old. Yeah. Oh, okay. And she loves eating, right? Yeah, eating and cooking. Yeah. Tasting with next to me. Bon, les gars, ça y est, c'est le moment du petit déjeuner. On va commencer à s'installer tranquillement, 8h30. Donc, let's go. Petit déjeuner traditionnel japonais. Une soupe miso, onigiri. You like onigiri? Yeah, I like very much. Yes. What's your favorite breakfast? Ah. Breakfast. Yeah, yes. He loves this. What is this? It's natto, fermented beans. Ah, okay. Have you ever tried it? Never, no. Oh. It looks like popcorn? No, sticky beans. Oh, okay, so it's your favorite? Yeah, my favorite. Oh, maybe okay. You don't like it. Oh, smell good or? Yeah, smell good for Japanese. But for other country, we don't know. I don't know. Les gars, pour le petit déjeuner, we say... Itadakimasu. So for the breakfast, just speak Japanese. Okay. And I try to understand. Okay. Right. I need to be concentrated. Tabete. Okay. It means you can start. You can start, right? Yeah. Okay. Yes. Bon, les gars, ça va être chaud. Ça va être technique. Tabeta. Oishi desu. C'est bon. Tu parles français? I know c'est bon. C'est bon, it's like it's oishi. Ça c'est vraiment de la frappe atomique. La dernière fois que j'étais venu au Japon, j'en avais mangé et là c'est fait maison, donc très très bon. Donc petit déjeuner traditionnel les gars. Bon les gars, là on a bien mangé le petit déj, on a bien mangé, donc on s'est régalé. Donc là je vais leur poser la question, je vais leur demander comment ils se sont rencontrés. How long you been married? 5 years. Oh okay, and how was the meeting? At first, maybe 10 years ago, I work at his restaurant. Oh, ok. Ok, donc les gars, je vous raconte comment ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés il y a 10 ans. Le mari, voilà, il avait des restaurants. Il travaillait dans plein de restaurants, comme je vous ai dit. Et en fait, elle a travaillé dans un des restaurants. Et ils se sont rencontrés là-bas. Mais ils se sont pas mariés tout de suite. Mais le truc, c'est qu'ils étaient mariés avant. C'est-à-dire que lui, il était marié. Et elle aussi, elle était mariée avant. Du coup, ils se sont séparés. Et après, ils se sont retrouvés à Ginza. Il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Belle histoire d'amour. Le thé japonais. Oh, déjà. En fait, les gars, c'est tellement un truc de fou ce qu'on est en train de vivre quand même. It's not special for you because when I send you the message, what was your reaction? Oh, it's funny. It's funny.
It's funny, man. Yeah. You Googleize me? Yes, with your name, mm-hmm. and I found your Wikipedia. Yeah, for know like a little of me. Yeah. Yeah, yeah. If I'm a good guy or. I think it's fun. Yeah, it's fun. It's first time for me. So it's a kimono. Right. Oh. You know kimono? Yeah, I know. Yeah, I never saw a real. You're comfortable with this? Yeah. Oh. Elle vient de me dire que c'était une ancienne geisha. Mais du coup, geisha, je sais pas ce que c'est. When you was a geisha, you like put kimono every day? Every day. Ok, yeah. Donc elle mettait le kimono tous les jours quand elle était geisha. Mais geisha, je sais pas ce que c'est. I learned Japanese dance. Yeah, Japanese art. This is okay. Tea ceremony. But why you have like a white face? Traditional style. Ah, traditional, ok. You dance in the night or early in the morning? In the night. In the night? Yeah. Ok, donc ils dansaient la nuit et pour qu'on les voit, ils mettaient du coup du maquillage blanc pour qu'on les voit en fait. It's difficult to be a geisha? Not difficult. I started 16. 16 years old? Yeah. Whoa. And you stopped at? At 22. I married and I quit. Ok. When you married, you stopped to be geisha. Wow. Very cool, very nice. Ils m'ont dit qu'ils voulaient rejoindre des amis à eux pour aller déjeuner avec des amis à eux. Moi je vais suivre. Et les gars, et en fait ils ont préparé une journée. Ça veut dire que moi je leur ai demandé juste de passer une journée avec eux. Et ils m'ont dit on a déjà une journée qui est prévue de base, juste viens avec nous. Et du coup voilà, let's go, on follow. Dites-moi si vous kiffez la vidéo les gars, dites-moi si vous kiffez parce que moi je kiffe de fou ce qui est en train de se passer là. Et la petite elle s'appelle Sultan. Sultan. Nani. Sultan. Nani. Donc les gars, là on est dans la voiture, on va rejoindre des amis à eux. They okay about me? Oh, no problem. Ok. We are welcome. La mif, désolé, j'ai oublié de filmer parce que en fait on était dans un restaurant, on était en train de parler. On parlait, mais j'ai pas filmé. J'étais trop concentré dans la conversation, tu vois. Et voilà, et puis tu sais, c'était pas le moment de filmer dans le restaurant et tout, mais là on est dans un parc, il est immense, je vais vous montrer. Ouais, ils sont là-bas en train de faire jouer les petits, tu vois. Là les gars, je suis sur une balançoire, ça fait des années j'ai pas fait de la balançoire. Mais c'est une balançoire pour les enfants hein, de base. Hein. Ok, I need to go like. Yeah. Donc maintenant, on va commencer à préparer le dîner de ce soir. She's practicing. Ooh. Yeah, she's like so. Like a chef. Yeah. 3 years old. Yeah, three. 3 years old. Wow. Elle est en train de toucher des choux-fleurs. In French, this is chou-fleur. Chou-fleur. Ma mission, c'est d'écailler les œufs. Pour les gars, écailler les œufs, c'est pas mon fort. Il est quand même comme surveillé. Si un jour on m'a dit que je serais dans une cuisine japonaise en train de cuisiner avec une famille comme ça, en fait c'est drôle comment ça arrivait parce que I sended you a message like 2 days ago and today I'm in your kitchen. It's funny. She's faster than me. I think so. Oh. I finish. Oh, ok. Mada, still stick there. Oh, sorry. On va se régaler ce soir là. 3 ans, it's 3 years old. Oh, 3 ans. 3 ans. 1. 1, 2, 6, 7, 9, 10. Oh, too difficult. In Japanese? 1, 2, 3, 3, 8, 8, 2. Oh, good. Your pronunciation is very good. But why it's so different? Yeah, so done it. If everybody speaking the same language, it will be more easy. Yeah. Tu peux, parce qu'en vrai c'est possible, regarde. Parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui me disent ouais, regarde comment tu fais pour communiquer avec les gens et tout. Bah en vrai l'anglais, hein. Tu sais parler un minimum anglais, tu peux voyager et en faire des nouvelles rencontres comme là, cette famille aujourd'hui. This remember me when I film my mom. Ah, yeah. Your mom? Yeah. You cook with her? Sometimes. Oh. Sometimes I'm too slow and she told me to go away. Go away? Yeah. Yeah. Like this? Yeah. Okay. Be careful. Yeah, I will be careful. What is your mom's best food? Lasagna. My mom lasagna was... Yeah. Ma mère a fait des lasagnes, les gars, vous êtes même pas au courant.
And this, what the name of this? Donabe. Donabe. It has two double lid. Oh, ok. C'est ce qu'on appelle un donabe. Ça permet de contenir la saveur à l'intérieur sans qu'il y ait rien qui sorte. Voilà, tu contiens toutes les saveurs à l'intérieur pour que tu aies des bons goûts quand tu manges en fait. Il est là, il bouge pas, t'as capté. Et les gars, il y a un autre bail là que j'ai oublié de vous dire. On est en train d'enlever les trucs des crevettes. Regardez les crevettes, elles sont quelle couleur? Elles sont noir grise. En France, les crevettes, elles sont orange ou rouge, tu vois, mais pas. C'est la première fois que je vois des crevettes comme ça. Elle m'a expliqué que de base, les crevettes, c'est cette couleur-là. Mais en tout cas, première fois que je vois des crevettes grises. En fait les gars, le truc là c'est que la petite elle a 3 ans. Et moi je me suis dit quoi? Je me suis dit mais frérot, si déjà elle cuisine comme ça avec sa mère tous les jours, imagine quand elle va grandir, ça va devenir une tueuse. Après là tu connais, elle est en mode d'enfant, elle est en mode n'importe quoi, mais elle le fait quand même par plaisir. Actuellement il est 5h. Ici il dîne archi tôt. À peu près ouais 6h du soir. Like you eat like the dinner at every night at 6? Yeah, 6 or 6:30. Okay, you don't have a dinner like at 8? It's too late. 8 is too late? Yeah. Yeah. Because 8, we are preparing to go to bed. 8, you go to bed at 8? À 8h, ils vont au lit en mode dodo. Sleeping is like dodo. In French, yeah. Dodo. Ils se réveillent à 5h ou 4h du matin juste pour aller marcher. Et vous savez, ce matin quand on est sorti, on a vu plein de gens qui faisaient pareil. Mais c'était très tôt, il était 6h, tu vois. C'était rempli. Et ouais, je suis choqué. En fait, j'apprends tellement de choses là. Je me dis, en fait, on est tellement une culture différente. On vit tellement différemment. We have a different culture. In France, I sleep at 2 a.m. Wow. 2 a.m. Yeah, yeah. Daily life, I at 1 a.m. Oh. I try. I don't know, just play video games with my friend. In the day, I have a lot of meetings, lot of things to do. And when I come back in my home, this is the time or I be myself. Les gars, ça pour moi c'est du riz, ça. Is this not rice? No, it's bread. Bread? Yeah. Because bread, c'est du pain. You know croquette? Parce que... Croquette? Croquette for yeah. Dog? No. Because in France, croquette is the food of the dog. I will show you croquette. Attends, parce qu'il y a une compréhension totale, frérot. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Matelio. Thank you for this dinner. Thank you for helping. So I beg for this. Yeah. You want this sauce? Oh yeah, please. It's the best food I ate like in Japan. Oh, hondo? Ii jon. Yukatta. Yeah. Take care of this. Yeah, it was beautiful day. I learned lot of things. This day will be in my mind for like many years. I met you, so you're a very good person, and like to treat me like a member of your family. Like today I feel like your son. Yeah, your son. Yeah, my big son. yeah big son. But you can come back anytime. I can come back anytime. Yeah, anytime. Anytime. Yeah. With your family. With all my family? Yeah. Like 5. Okay. 5 people. Maybe not sleep here. Okay. Maybe we can go outside. Yeah. But if you come in Paris, you need to call me. If you come in Paris and you don't call me, I will be... Okay. Oh, it's celebration. Celebration, wow. For you go. No, it's for me? Yeah. No, it's not for me. Yeah. You put this? Yes. It's for you. You put this for me? No. For you. Wow. Thank you. No. You don't need to help. Thank you so much. Yeah, I want to help. Oh, thank you. You're so kind. Su-chan, my friend, no? She wants to help as well. No. It's my time. Thank you for everything. I don't know what I can say. If you come in Paris, don't forget to call me. I will miss this house. I will miss you. And thank you for everything. Thank you. Thank you. I will never forget this day. Bye. Bye.
c'est terminé, c'est fini, Piri, ils vont me manquer, je te jure, ils vont me manquer. J'arrivais pas à parler en français à la caméra parce que je voulais trop leur dire merci et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi parce que j'ai passé une journée de malade mentale, vraiment j'ai kiffé de fou. Juste quand ils vont venir à Paris, il faut que je les mette bien au max, vraiment, parce que cette famille, c'est vraiment des anges. Ils me connaissent pas, je suis un étranger, ils m'ont accueilli chez eux, ils m'ont traité comme si c'était leur fils, tu vois. Ils m'ont proposé quand même de dormir chez eux encore une fois, ils voulaient m'héberger, frère. En tout cas, la famille, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai kiffé de malade cette expérience, c'était une dinguerie. Faites attention à vous, l'équipe, c'était votre guerrière comme d'habitude. Babex.